Pas le même chemin. Ok. Jonathan Morrison de la Côte d'Ivoire. Je vais commencer d'abord par dire au reste du monde et à tous ceux qui pensent que tu n'es pas footballeur que tu l'es. Mais quel genre de footballeur tu es? Il y a deux façons de footballeur. Il y a ceux que nous connaissons comme nos footballeurs dignes de nom. Il y a également les footballeurs comme Jonathan Morrison. Connaissez-vous la signification de son nom, footballeur? Non, je ne crois pas. Connaissez-vous la définition de son titre footballeur? Je vais vous le dire. Jonathan, tu es bel et bien un footballeur, ça c'est sûr. Mais quel genre de footballeur tu es? Le F de ton footballeur. Je vais définir en conclusion ce qui signifie ton titre de footballeur. Jonathan Morrison, ton titre de footballeur, ça veut dire « Moi, Rama, je te l'attribue aujourd'hui ». Ton titre de footballeur, le F de ton footballeur veut dire « Mougousseur automatique d'utérus artificiel ». Mougousseur automatique d'utérus artificiel. Mougousseur automatique d'utérus artificiel. Genre ton ballon là. Ton ballon que tu dis là. Effectivement, tu es footballeur. Puisque tu joues dans l'utérus artificiel que tu connais, je connais et que le reste du monde connaît. Donc, tu es vraiment footballeur. Je vous présente alors le plus grand footballeur du monde. Ouais. Ouais. Footballeur. C'est bon, vous connaissez maintenant la signification? Jonathan Morrison, viens, viens, quelque part sur la terre du pays des hommes intègres, il y a une fille qui s'est levée et dire qu'un animal ambulant sans repère comme toi ne peut pas insulter le peuple burkinabé et aller s'endormir comme si rien n'était. Je viens d'abord à ton SMS. Jonathan, tu dis que la Côte d'Ivoire n'a qu'à arrêter de clasher le Burkina Faso parce qu'il n'y a pas de comparaison entre Lamborghini et Nissan. Exactement, tu as raison. Mais dis-moi, de quelle Côte d'Ivoire parlons-nous? Est-ce la même Côte d'Ivoire que gouverne le Burkina Faso? Ou c'est une autre Côte d'Ivoire? Est-ce la même Côte d'Ivoire que gouverne le Burkina Faso, que gouverne un Burkinabé d'origine? Ou c'est... Non, est-ce la même Côte d'Ivoire? Le peuple que tu traites de Nissan est le peuple qui te piétine actuellement. Est le peuple qui te gouverne actuellement. Non seulement on gouverne ta mère, ton père,
et tout ton village. Le Burkinabé, il parle peu, mais il agit beaucoup. Le Burkinabé dont vous parlez là, c'est quoi au fait le problème? La frustration? Je peux comprendre cela. Jonathan Morrison, l'animal sans repère, viens un peu. Footballeur. Fouilleur automatique. Viens un peu. Toi. Tu es le genre de footballeur qui n'est jamais sur un terrain de football. Tu es le genre de footballeur qui n'a jamais vu la couleur d'un ballon. Tu es le genre de footballeur qui n'a jamais fait de selfie avec un joueur. Tu es le genre de footballeur qu'on voit que sur Facebook. Bravo. Monsieur le footballeur, bravo. Écoute, je vais me présenter à toi. La Côte d'Ivoire est un pays dans lequel je suis née. Je suis un enfant qui est né à Songon Agban en partance pour Dabou, après Jacquesville. Soit après kilomètre 17 si tu veux. J'ai grandi à la GESCO. J'ai bossé à LKM d'Ananeré. Je passais régulièrement mes vacances à Bonikro. Je suis un enfant qui est né là-bas. Je connais la gueule que vous avez. Je vais tout faire pour ne pas toucher l'intégrité des Ivoiriens en général. Mais toi, l'animal, quand je vais finir avec toi, je jure Dieu que même l'eau de la potasse, si tu te laves avec, tu ne seras pas propre. Toi, tu te dis homme. Je vais d'abord te dire, tu sais le Burkina dont tu parles, quand ton dessin animé artificiel est venu ici là, ton dessin animé artificiel là, quand c'est venu ici là, Paul, Pierre, on niquait ça. Paul, Pierre, non, c'est trop. Tu sais quoi? Ton dessin animé artificiel là, quand c'est venu ici là, nous, et tu sais, boutiquier, jardinier, laveur de véhicules, ils ont mougou ça. Regarde, d'après les Ivoiriens, ils ont mougou. Ils ont mougou ça grave. Et puis ils ont donné ce que tu recherches. Le Burkina Faso, la destination à ne pas manquer, tout en restant sage. Ah! Lamborghini ne se compare pas à Nissan. Mais mon ami, tu es sans repère. Burkina, Côte d'Ivoire, c'est un Burkinabé qui gouverne. Animal, c'est nous, on gouverne. Jonathan, tes pieds secs, 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 indirects, canne à sucre là. Viens ici. J'ai dit, oh, toi, tu es né comment? Tu es la photocopie illégale des hommes. Tu es né quand le capote était en train de percer ou tu es né quand le capote est resté à l'intérieur. Le préservatif est resté à l'intérieur et puis tu es sorti quand même, c'est ça? Jean, on a tout fait pour que tu restes dans le préservatif là.
Tu as tout fait pour percer préservatif là pour venir. Et te voici. Malgré qu'on a tout fait pour que préservatif là reste dans le trou là. Tu as tout fait pour venir au monde. Je veux savoir c'était comment. Préservatif là, c'est resté à l'intérieur ou bien tu as percé ça pour sortir? Parce que le genre de personne que tu es, non, je ne crois pas que c'était sans capote. Sûrement, soit préservatif là est resté à l'intérieur et tu es passé par le côté gauche, soit tu as percé capote là et puis tu es sorti. Jonathan Morrison, je commence par te dire ton babier aujourd'hui, ton farfro demain, ton babier après-demain. Comment une femme aussi laide qu'un zombie enveloppé dans la peau d'un homme comme toi peut se permettre d'atteindre l'intégrité du peuple le plus intègre de la CEDEAO. Misérable descendant sans vergogne. Tu savais que c'était du Nissan et tu envoyais ton dessin animé artificiel là pour venir moukou ici, pour venir te nourrir. Tu connais la liste de ceux qui ont mougou ça ici, la liste là est affichée dans toutes les rues du Burkina. Tu veux la liste? Puisque tu l'as volontairement envoyée, c'est ce qu'elle fait pour te nourrir, non? Toi, si ce n'est pas parce que dessin animé aime les choses bizarres là, c'est quelle femme psychologiquement normale qui peut qui peut se déshabiller devant une femme aussi laide qu'un zombie enveloppé dans la peau d'un homme comme toi. Je vais te dire une chose. Guénon là, je vais te dire une chose. Tu n'as rien. Tu es un bluffeur. Tu as la gueule. Tu te prends pour ce que tu ne seras jamais. Tu es un gigolo. Je vais te dire une chose. Tu n'es rien. Je vais te dire une chose, c'est même pas sûr que tu deviendras quelqu'un sur terre parce que ton avenir et ta vie se résument à ta misérable vie que tu voiles. Est-ce que tu sais pourquoi chaque fois que ton dessin animé la part, tu demandes pardon? C'est tout simplement parce que c'est la seule qui va aller coucher avec des hommes comme toi pour venir te nourrir. Toi, un faforodé, nyomorodé, yorolon bali, kokmame bali, bataradé, faforodé, wolosebe jenny, tarachento, ibabie. Tu oses t'asseoir derrière ton téléphone que et dessin animé aller baisser, payer, te donner là. Pour insulter le Burkina Faso, il a dit, je vais commencer d'abord par ce vieux superbe qui nous a créé tout ce problème en ce monde. Je vais commencer d'abord par ce vieux superbe là, de microbe là. Vous dites que, il a dit, il est zaté. Et Maquet, il est zanté. On se connaît. On se connaît. Est-ce que tu comprends? C'est la CEDEAO. On se connaît là. Un misérable, sans repère, sans vie. Tu es là, tu te balades. Je suis footballeur, je suis footballeur. Yes, I, tu es footballeur. Mais tu joues où? Entre les jambes de ton dessin animé, là, c'est là-bas tu joues. Sinon, ce n'est pas dans un club en ce monde ici-bas. J'ai dit, toi,
Chaque matin que tu vas te réveiller, ta mère quand multiplié par les testicules de ton père. Chaque midi que tu vas te réveiller, ton père quand, ta mère quand, ta soeur quand, ton frère quand, toute ta famille mère quand, toute ta descendance mère quand. Ton bas biais. Si tu regardes pas cette vidéo, ton bas biais. Si tu regardes cette vidéo, ton bas biais. Je suis avec toi, hein. Chaque fois que tu ouvres ton WC, que tu appelles gueule là, je serai ici pour te répondre. Toi, tu mougou caoutchouc plastique. Et puis toi, tu fais la gueule. Tu mougou caoutchouc plastique et tu fais la gueule. Les hommes comme toi au Burkina ici, nous, on les donne en sacrifice. Les garçons comme toi là, le Burkina Faso donne ça en sacrifice au Dieu de nos terres. Au Dieu de nos terres, les hommes comme toi, nous les sacrifions. Jean, le peuple burkinabé est devenu votre poubelle. Chaque barbier sans repère, sans avenir, qui ne mange même pas à sa faim, s'élève et il insulte. Parce qu'on dit, ouais, le peuple burkinabé ne parle pas. Le silence est l'arme des matures. Moi, je suis immature. Moi, je suis immature. Je ne connais pas la maturité. La sagesse ne fait pas partie de mon vocabulaire. Donc, c'est ton collègue Babié qui est en face de toi. Tu peux parler de tous les pays que tu veux. Mais le jour que tu fais sortir encore dans ton Kouaba là, le nom de Burkinabé. Regarde, mon ami, je vais baiser ton papa et tu vas m'appeler désormais maman. Et avec moi là, préservatif là, tu veux, oh, tu veux pas, oh, tu restes dedans et puis tu pars dans WC. Préservatif où on te met et puis tu apparais sur terre par les manières fortes là. C'est pas avec moi. Si tu parles encore de mon peuple, tu parles encore du Burkina Faso, je vais baiser ton papa et tu vas m'appeler maman. Et préservatif là, tu vas rester dedans, aller dans WC. Toi, un sale gamin, un misérable individu sans repère, sans avenir, un autocollant comme toi, un sticker comme toi, tu te permets d'insulter toute une nation, tout un peuple. Le nom que tu cherches là, c'est pourquoi? Mon ami, le nom que tu cherches là, c'est pourquoi? Est-ce qu'on a besoin d'être célèbre pour niquer sachet plastique? Un sale gamin, un idiot sans repère. Et puis, oh, dans tout ça là, quand tu as fait ta publication, dis que le peuple burkinabé n'a qu'à t'excuser. Toi, tu t'amusais. Jean, le peuple burkinabé, c'est ton camarade. Jean, le peuple burkinabé, là, c'est ton camarade. C'est ton camarade. OK. Comme tu t'amusais, là, moi, je viens faire ce direct, là. Ta mère, quand je m'amusais, faut pas te fâcher. Ton papa, je m'amusais, faut pas te fâcher. Ton babier, je m'amusais, hein, faut pas te fâcher. Ta mère quand, je m'amusais, hein, faut pas te fâcher. Magnèdre big. Toi, tu es malade. Tu sais ce que ça veut dire magnèdre là? C'est la traduction de ta mère quand. Tu m'as entendu? Salaud. Si ce n'est pas à cause de ce sachet plastique,
Toi, toi, toi comme ça là. Hey! Il est zanté. Au bibé, il nyeji, il beura, il naure. Tu m'as entendu? Maintenant, écoute-moi attentivement. Sale garçon, puanteur sans repère. Écoute-moi. Avec ton sale corps que tu... Ah! Regarde, tu es venu trouver, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin. Sinon, je te jure que tu vas rechercher le sommeil et tu ne l'auras pas. 1, 2, 3, le Burkinabé. 1, 2, 3, le Burkinabé. Regarde, les Burkinabés sont dans leur pays. Les Burkinabés sont chez eux. Les Burkinabés dorment au Burkina. Moi, je ne suis pas ici pour rentrer dans certains détails qui se passent sur Facebook. Ça, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas ici aussi pour parler à toute la Côte d'Ivoire, non. Je ne suis pas ici pour parler à tout le peuple ivoirien, non. Je respecte l'intégrité du peuple ivoirien. Je parle à ce sacrifice que la Côte d'Ivoire devait faire depuis longtemps, qu'ils n'ont pas fait. Ce sacrifice qui se met sur la toile pour insulter tout un peuple. Toi, Jonathan Morrison, tu as déjà travaillé avec tes 10 doigts? J'ai dit, tu as déjà travaillé avec tes 10 doigts pour vivre? C'est pas ton sachet plastique ping-pong, ping-pong, pom-pom, ping-pong. C'est pas ça qui te nourrit? Misérable, sale garçon, que je suis footballeur. Footballeur dans l'anus de ton dessin animé, oui. Quel sale footballeur. Misérable. Tu penses que le comportement que tu as là, ça c'est comportement de footballeur? Non, tu te trompes, animal. Sache que les footballeurs n'aiment pas le bruit. Le bruit, c'est dans l'univers des artistes musiciens. Pas dans l'univers des footballeurs. Et pour ta gouverne, les footballeurs aiment la discrétion. Leur monde, c'est la discrétion. Parce que pour réussir dans le football, il faut être discret. Vivre loin des projecteurs et laisser les médias parler de soi. Toi, c'est tout en toi qui est dans Anus, sur Internet. Yo, Dio, tu es orphelin? Est-ce que tu es orphelin? Tu es orphelin, dis-moi. Tu es orphelin? Tu as perdu ton papa, ta maman? Tu n'as pas de soeur? Tu n'as pas de frère? Tu n'as personne au monde? Toi, petit bâtard de rue, reste loin du peuple burkinabé. La prochaine fois que tu fais un poste pour parler encore du peuple burkinabé, je reviendrai ici et je vais dévierger ton papa, ici même. Je vais dévierger ton papa et je vais le baiser. Je vais le baiser grave. Et tu vas m'appeler désormais maman dans ta tombe. Parce que moi, je vais m'arranger de sorte que le préservatif là, pas dans WC. Enfant de spermatozoïde précaire. Tu es malade? Tu es malade? Zombie là. Salaud, sale garçon. Sale garçon.
Et tu dis que toi, regarde, moi je ne vais pas rentrer dans ton côté, tu es ceci, tu es cela, ça ne m'intéresse pas. Hein? Ce n'est pas mon problème. Mon problème ne touche pas aux couleurs de mon pays. Si tu oses, tu sauras qu'il y a des barbiers comme toi. J'ai dit, hein, on a courbé ta maman pour que tu viennes au monde. On a courbé ta maman pour que tu viennes au monde. Ou on l'a soulevée et adossée sur le mur. Dis-le-moi. Est-ce qu'on l'a soulevée et puis adossée sur le mur? Ou on l'a courbée? On a courbé ta maman pour que tu viennes au monde. Ou on a adossé ta maman sur le mur? On l'a surpris dans la cuisine. Dis-le-moi. On l'a surpris dans la cuisine. Dis-moi. Est-ce qu'on a courbé ta maman? Ou on l'a adossé sur le mur? Ou on l'a surpris dans la cuisine? Écoute-moi, facochère. Écoute-moi, animal ambulant des réseaux sociaux. Écoute-moi bien. Si tu oses encore parler de Burkinabé, que ce soit toi ou un autre animal, que ce soit toi ou un autre animal frustré qui osera encore parler du peuple burkinabé sur la toile, on se reverra ici. On est des collègues, hein? On est des collègues. Tu penses que quoi? Tu es le seul qui sait parler mal? Tu es le seul qui a appris à parler mal? Bande de bâtards, de misérables qu'on nourrit du matin au soir, mais toujours c'est le peuple burkinabé. Tu t'amusais, non? Mon ami, quand j'en aurai fini avec toi dans mon direct, demain matin sur ma page, je ferai une publication pour te dire de ne pas prendre ça au sérieux que je m'amusais. Pour le moment, je vais baiser ta maman ici. Je vais dévierger ton papa ici. Tu crois que tu es le seul animal? Non, tu as beaucoup de collègues animaux, mais je vous attends. Salopard, utilisateur de dessins animés, tu es malade? Toi, une femme enveloppée dans la peau d'un homme? Toi, un sacrifice qui devait être sacrifié au Dieu de la Côte d'Ivoire depuis longtemps? Tu oses faire direct pour insulter le peuple le plus intègre de la CEDEAO. C'est pas vous, hein? C'est pas vous. Je reviens. Si on t'a jamais dit cela, sache que le peuple burkinabé est ton terminus. Tu m'as entendu? Sale garçon, puanteur, pauvre petit et cervelé. Que j'ai l'argent. Mon ami, d'abord même, c'est pas ça qui m'intéresse ici.
Tu peux avoir tout ce que tu veux au monde. Ce n'est pas ça qui m'a envoyé ici. Puisque je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je ne sais même pas que tu existes. Mais partout où le drapeau burkinabé est là, je connais là-bas. Je connais là-bas très bien. Mon ami, je t'attends. Hein. Fais une vidéo. Fais une publication. Je vais revenir ici. Regarde, je vais te décortiquer comme ça. Hein? Et en toi, je vais ressortir les 26 lettres de l'alphabet français. Toi, regarde, est-ce que tu sais à quoi tu ressembles? À un zombie. Tu ressembles à un zombie. Pour moi, tu ressembles à un zombie. Et puis, hey Jesus, j'ai dit, tu ressembles à un zombie. Tu es laide. Tu es laid comme je ne sais pas quoi te dire. Tu n'es pas le genre de garçon qui peut exciter une femme. Une femme psychologiquement normale. Tu n'es pas le genre d'homme qui peut... Oh putain. Tu sais, les animaux comme toi, chez nous au Faso, on les donne en sacrifice aux dieux de nos terres. Les filles qui te font croire que tu es un homme sont des filles qui se font influencer par les véhicules que tu peux louer pour faire ton malin. Vous êtes bien reconnu dans la location des véhicules. Non, je suis vraiment dessus. Je suis vraiment dessus. Je suis vraiment dessus. Comment tu t'es arrangé? Parce que moi, je suis sûre que toi, tu es un spermatozoïde des préservatifs ratés. Comment tu t'es arrangé pour sortir dans le préservatif? Dis-le-moi, j'aimerais vraiment le savoir afin d'être sage dans la vie. Dis-moi comment tu es sorti dans ce préservatif. Parce que je sais que tu n'es pas une grossesse volontaire. Toi, tu n'es pas le fruit d'une grossesse volontaire. Toi, tu n'es pas le fruit d'une grossesse volontaire. Tu sais, le genre d'enfant que tu es, c'est le genre de grossesse qu'on dit, s'il te plaît, il faut me laisser. Ah, je n'aime pas, il faut me laisser. Je n'ai pas envie, laisse-moi. Je ne veux pas le faire, laisse-moi. C'est vous là. Tu es le fruit de ce genre de rapport sexuel. Tu es le fruit de ce genre de rapport sexuel. Écoute. Jonathan, l'animal au croisé de la frustration, reste loin du peuple burkinabé. Sinon, ici sera ta fin. Ne vous en faites pas. Beaucoup disaient, ouais, ils vont te... Regarde, ne vous en faites pas, je suis né à Abidjan. Je suis un enfant de GESCO, moi. Des milliers d'Ivoiriens, c'est ce qu'on appelle la GESCO. Les plus grands délinquants viennent de là. Mon ami, est-ce que tu sais
Moi, Rama, j'ai géré cabine téléphonique devant la pharmacie Ciporex. J'ai vendu maïs frais devant la pharmacie Ciporex. Je suis un enfant de la Côte d'Ivoire également. C'est pour te dire que ton bâtardisme, ton tampisme et ton bazaïsme, je peux l'être aussi. Jean, c'est vous qui avez la gueule. Jean, c'est vous qui savez parler. Jean, c'est vous qui savez dénigrer. Jean, c'est vous qui savez parler. Ok. L'élève est devenu plus fort que le maître. Ton bas biais, chaque matin que tu te réveilles. Et puis tu sais, garçon qui parle comme ça là. Garçon comme toi là, c'est les garçons qui sont nuls au lit. Les garçons comme toi là, c'est les garçons qui ne vaut rien au lit. Les hommes comme toi là, c'est les hommes qui viennent se coucher et puis disent « Fais-moi l'amour, fais-moi l'amour, fais-moi rêver. » Tu penses au fait qu'il a envie de te sentir. Pourtant, au fond, il est très nul. Il ne connaît rien, il ne vaut rien. Est-ce que les filles qui te courent après savent que le genre de garçon que tu es sont des garçons qui sont nuls? Ce sont des garçons qu'on appelle regret après rapport. Tu sais? Pauvre imbécile sans repère, zombie, crevette, poisson fumé. Toi, tu es comme ça, et c'est toi qui as la gueule. Le jour où tu vas faire encore un poste pour parler de ce pays. Je n'ai pas encore fini avec toi. Je vais aller un peu vers ton frère animal qui avait fait la vidéo pour dire qu'il n'a qu'à tuer les Burkinabés, qu'il n'a qu'à faire ceci. Cet animal qui est du côté de l'Europe, cet animal-là qui est du côté de, qui est en Europe là, en train de suer le sol et puis laver caleçon des vieilles blanches là, pour survivre là. Je vais parler de toi aujourd'hui. Jusqu'à ta mort. Jusqu'à ta mort. Tu ne pourras pas avoir la valeur d'un Burkinabé. Je ne me suis pas mêlée de cette histoire depuis le début. Tout simplement parce qu'il paraît qu'il y avait un problème de relation amoureuse dedans. Tu sais, des sacrifices comme vous devraient être sacrifiés au Dieu de nos terres. C'est très important. Tu sais, moi, je suis sereine. Je suis sereine. Mon ami, je t'attends. Je dis, hein, je t'attends. Inyeji, je t'attends. Ibeura, je t'attends. Je t'attends corps et âme, je t'attends. Parle encore de mon peuple. Je vais courber ton papa. Je vais le courber, monter sur son dos. Et je vais prendre bidon de coca. Je vais le baiser. Le baiser. Pompi, pompi, pompi. Et il va crier, yes, I. J'adore. Tu peux me tuer. Oui, why. Magnet reganerie cribio.
Si tu es mal né, ne t'en fais pas, mon ami. Je vais encore retourner la virginité de ton papa. Et je vais le dévierger. Et je vais tomber enceinte pour te ramener au monde. Toi, un bois séché comme ça, regarde, le jour où il aura un vent violent, ils vont lancer avis de recherche. Tu penses que les filles du Burkina te voient comme un homme? Non. Tes bêtises n'ont qu'à s'arrêter là-bas. Ici, les hommes comme toi, nous, on les donne en sacrifice au Dieu de nos terres. Nous, on n'a pas besoin de canne à sucre séchée comme toi. Tu n'as, au fait, tu forces le monde, tu forces la célébrité, tu forces la vie. Tu veux coûte que coûte être là où tu n'es pas arrivé, vouloir arriver là où tu ne peux pas arriver, en utilisant ton dessin animé, enveloppé dans la peau d'un caoutchouc plastique. Tu te fais appeler un homme. Tu te fais appeler un homme. Toi, tu te fais appeler un homme. Non, tu n'es pas un homme. Tu es la photocopie illégale des hommes. Les femmes qui te voient comme un homme, elles se font intimider, influencer par les véhicules que tu loues pour chercher la visibilité. Mon ami, je ne te comprends pas, oh. Dis-moi, toi, tu es pauvre mentalement, tu es pauvre dans la vie réelle, tu es pauvre dans ton âme, tu es pauvre physiquement. Je dis, mais ta gueule est très riche sur la toile. Je dis, j'ai vraiment envie de te poser cette question aujourd'hui. Comment un homme qui est pauvre dans la vie réelle peut bander? Comment quelqu'un qui est pauvre peut bander? Dis-le-moi. Tu n'as rien, ta vie n'est que du virtuel, mais tu bandes. Tu bandes. Pourquoi tu bandes? Tu ne devrais pas bander, tu es misérable. Tu n'as rien dans la vie réelle. Tu es riche sur les réseaux sociaux. C'est comme la vie des artistes qui font les clips de luxe. Tu comprends? Tu es riche dans le monde virtuel. Dans la vie réelle, tu es pauvre, mais tu bandes. Tu bandes. Pourquoi tu bandes, mon ami? Tu bandes pourquoi? Comment quelqu'un qui n'a rien peut bander? Dis-le-moi, tu bandes pourquoi? Écoute-moi, petit animal, sans vergogne. Je dis, commence ta vie avec la sincérité. Commence ta vie avec la vérité. Tu es l'incarnation de l'échec. Tu es l'incarnation du regret d'une grossesse. Tu es l'incarnation de la douleur.
Mon ami, retiens ceci, oh. Un homme qui n'a rien ne bande pas. Un homme qui n'a rien ne bande pas. Il ne devait pas bander. Toi, tu es un misérable pauvre type qui est la squattée dans la maison de ton dessin animé. Jeune homme, lorsqu'un homme est squatté chez une femme, il perd sa dignité. Jeune homme, lorsqu'un homme psychologiquement normal s'en prend à toute une nation, c'est qu'il a raté son éducation. Jeune homme, notre peuple est intègre. Nos valeurs sont intouchables. Notre dignité est intouchable. Ceux qui connaissent notre douceur sont ceux qui le méritent. Ceux qui veulent nous montrer qu'ils sont détenteurs de la parole, nous leur montrons que l'être humain a plusieurs facettes et notre partie visible cache notre réalité. Ne te trompe plus de chemin. Ne fais plus l'erreur d'insulter ce pays. Ne fais plus l'erreur de t'en prendre à ce vaillant peuple. Burkinabé est fier de l'être. Même au prix de mon sang, je ne permettrai jamais à un fils de pute d'insulter mon pays. Reste loin du Burkina Faso. Si tu sais que tu ne te contrôles pas, la drogue que tu fumes, moi je me pirige avec ça. La drogue que tu fumes, moi je me pirige avec ça. Tu le prends sec ou frais? Moi je ne bois pas eau, je ne fume pas eau, je me pirige pour que ça rentre dans tout mon corps. Pour que je sois actif et préparé tous les jours. Tu as compris que tu as des collègues au Burkina? Tu as compris qu'il y a des collègues ici? Oui, tu as des collègues ici. Si tu es un homme, reviens encore. Tu sais pourquoi je suis limitée dans mes propos? C'est parce que, avant mon direct, j'ai vu ta publication où tu demandais pardon au peuple burkinabé. Sinon, tu allais me sentir. Chaque portion de mon sang et mon âme allait te faire regretter d'être venu au monde. Toi, un salopard, un imbécile sans repère, un zombie, poisson séché comme toi?
Tu oses t'asseoir derrière ton téléphone qu'une femme est allée coucher avec des hommes pour payer tes données, pour insulter un peuple qui ne t'a rien fait? Tu sais, j'ai dosé, hein? Ceux qui me connaissent savent que j'ai dosé. J'ai dosé parce que tu as fait une publication. Juste après ma publication, tu as fait une publication pour demander pardon. Sinon, j'allais te servir corps et âme. Et tu allais kiffer. Tu allais aimer. Et ça allait rester à jamais gravé dans ta misérable vie. Fils et filles du pays des hommes intègres, bonsoir. Burkinabé d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Il y a des moments où nous sommes obligés d'utiliser les manières fortes, sans décence, sans conscience, pour régler certaines choses. Pendant longtemps, notre peuple est resté silencieux. Pendant longtemps, notre peuple a toléré beaucoup de choses. Notre peuple pense que tout le monde connaît la signification du silence. Non. Il y a des choses que nous devons régler par les manières fortes afin d'éviter que cela ne se reproduise plus encore. Que les fils et filles de ce pays se déchirent s'ils le veulent, car les enfants d'un même père et d'une même femme se déchirent, mais n'empêche que la famille reste. Nous ne pouvons pas permettre ce genre de choses. La dignité a un prix à payer. Et le prix à payer de la dignité, c'est le savoir vivre en société. Mais lorsque l'on ne connaît pas le savoir vivre en société, le prix à payer est le déshonneur. Je ne pense pas, même si ce n'est pas Jonathan Morrison, si jamais je revois un imbécile insulter le peuple burkinabé, je vous jure, je vais zouker dans l'anus de son papa. Je vais zouker dans l'anus de sa maman. Si je vois un zombie oser encore s'en prendre au peuple burkinabé, je vais lui montrer ce que les filles comme nous sont capables de faire. Imaginez-vous que ce misérable garçon ose dénigrer toute une nation, tout un peuple.
pour des choses que je ne sais pas, des raisons que je... Non, c'est compliqué. Hein? Il faut que nous arrêtons d'être silencieux sur certaines choses pour imposer le respect. Jonathan, avant toute chose, je suis là. J'attends ta réplique. J'ai dit, la mi-temps est finie, hein. Jonathan, revenons un peu. Est-ce que tu as raison, Lamborghini? Est-ce que tu as déjà entendu parler de Padoua? Allô? Je suis à la Padoua. Hein? À la Padoua. À la Padoua là, non? Je suis à la Padoua. Hein? À la Padoua. À la Padoua, c'est à la Padoua. Tu as déjà entendu parler de ça? Tu penses que ce sont les filles burkinabées qui sont derrière ça? Hein? À la Padoua là, non? Il a été rappelé, c'est à la Padoua. Je suis à la Padoua, la Padoua là. Hein? Je suis à la Padoua. Hein? Je suis à la Padoua. À la Padoua là, non? À la Padoua. Tu sais, Jonathan, j'ai fini avec toi à présent. Maintenant, je vais te donner des conseils. Tu sais quoi? La Côte d'Ivoire est un pays de la CEDEAO. Le Burkina Faso est un pays de la CEDEAO. Autant il y a des Burkinabés en République de Côte d'Ivoire, autant il y a des Ivoiriens au Burkina Faso. Terre d'hospitalité et d'accueil. Nous sommes un pays frère, fils et filles d'Afrique. Si quelque chose ne va pas entre un fils de la Côte d'Ivoire et un fils du Burkina, c'est à eux d'utiliser la maturité, l'esprit de grandeur pour dominer la colère et les écarts de langage. On ne se lève pas comme un crapaud dans l'eau et sauter dans des choses sans comprendre. Tu n'as pas le droit de prendre position de quoi que ce soit. La seule chose que tu devrais faire, si vraiment tes mégas te dérangent, la seule chose que tu devrais faire, c'est d'essayer de faire appel au désarmement des cœurs. Sinon, ta façon de sauter comme sauterelle là. Nous tous, on sait sauter. Hein? Moi-même, j'étais première dans le saut en longueur. Je ne sais pas si tu as fait CM2 au moins. Tu connais saut en longueur? La façon que tu pam là. Tu n'es pas le seul détenteur. C'est quoi
C'est quoi qui t'a poussé à faire ce que tu as fait? Jean, tu as regardé toute ta vie là. Hein? Ta manière de vivre, de survivre. Parce que toi, tu ne vis pas, tu survis. Ta manière de survivre là. Tu n'as pas vu de problème là-bas hein, que tu dois réparer. Hein? C'est insulter le peuple burkinabé ton problème. La prochaine fois que tu insultes le peuple burkinabé, tu vas te réveiller le matin et trouver que ta pine là a disparu. Faut pas chercher, hein? C'est Rama qui a enlevé ça. La prochaine fois que tu insultes encore le peuple burkinabé, tu vas rentrer te coucher et venir trouver que ta pine là a disparu. C'est parti. Tu sais que s'il n'est pas là, tu ne peux plus être habillé, nourri par une femme. Tu sais comment on appelle les garçons comme toi? Tu sais comment on vous appelle? Ton petit machin. De toute façon, tu es mince là. Je sais qu'il est mince comme ça aussi. Ton petit machin qui te fait parler, parler, parler. Sache que nous, on est plus dangereux que les Béninois. C'est le on est très, très plus dangereux que les Béninois. Si tu oses encore parler de Burkinabé, tu vas te lever un matin et trouver que ton petit machin mince là, hein, ça a disparu. Tu vas te lever le matin trouver que ça a disparu. Quelqu'un me demande, tu as déjà vu? Est-ce que tu as besoin de voir pour comprendre? On définit le voisin d'un homme à travers son physique. Quand tu vois un homme qui est comme Jonathan Morrison, j'espère vraiment que c'est ton identité Morrison. J'espère que Jonathan Morrison c'est ton identité. Quand tu vois un homme qui a sa forme et sa taille, tu sais que son voisin là se résume à sa forme. Un homme qui aime parler, un homme qui a la gueule, un homme qui bavarde comme une femme. Il n'a rien dans son caleçon, les filles. Il n'a absolument rien dans son caleçon. Un homme qui a la gueule, il n'a absolument rien dans son caleçon. C'est le genre d'homme qui se couche et dit, « Bébé, fais-moi plaisir. Bébé, montre-moi de quoi tu es capable. Bébé, je vais te sentir. » Tu penses qu'il veut te sentir. Tu as tort. Il ne veut pas te sentir, oh. Il est nul, oh. Il est nul. Il est très nul, oh. Nul, oh. Il est nul. Oh. Il ne veut pas que tu saches qu'il est nul, oh. Si tu vois un homme qui parle comme une femme, ne t'aventure pas, oh. Ne cherche pas à savoir ce qu'il a dans son caleçon. Il n'a rien de bon. Il n'a rien, ça c'est un. Il ne sait pas l'utiliser, ça c'est deux. Il n'a aucun goût. Et la plupart des hommes qui sont comme ça, c'est des hommes qui sont sales. Ne te fie pas aux habits neufs qu'ils portent. Ne te fie pas aux tenues de l'actualité qu'ils portent. Il sent mauvais. Il sent mauvais. Il n'a rien de bon en bas de lui. Il est nul au lit. Si tu vois un homme qui aime faire les choses excitantes sur la toile, c'est un homme qui ne vaut rien dans la vie réelle. Les hommes capables, ils sont calmes. Mais c'est quand tu rentres avec eux, tu sais qu'ils ne sont pas camarades de quelqu'un. Un
un homme impose le respect à travers son voisin, non? Jonathan, il impose le respect en forçant la célébrité. Petit crapaud, tu viens de quel barrage? Tu viens de quel barrage de la Côte d'Ivoire, petit crapaud? Dis-moi, petit crapaud, tu viens de quel barrage? Quelqu'un me demande comment savoir qu'un homme est impuissant. Un homme qui parle trop comme une femme est un homme impuissant. C'est son impuissance qui parle, ce n'est pas lui qui parle. Un homme qui est fort, il est très serein, il est calme. Un homme ridicule qui parle plus que la femme est un homme impuissant. C'est son impuissance qui fait que son corps le pousse à ouvrir sa bouche pour parler. Ne me demande pas comment savoir qu'un homme est impuissant. On reconnaît l'impuissance d'un homme à travers son vacarme. Quelqu'un comme Jonathan Morrison est un homme impuissant. Ne le savais-tu pas? Jonathan Morrison, le bâtardisme, l'imbécilité ne sont pas des choses que l'on a besoin de travailler pour avoir. Non. Tout le monde a ce côté animal en lui. Mais nos principes et nos valeurs de vie nous obligent à les ranger au placard pour le savoir vivre en société. Mais lorsque à un moment donné, nous nous sentons obligés d'utiliser les manières fortes de l'indécence, nous sommes obligés de les utiliser. Oui, tout c'est vous qui comprenez français, c'est vous qui savez parler français, c'est vous qui savez parler mal, tout c'est vous, tout est c'est vous. La gueule là, vous avez ça. Quand on dit la gueule là, vous avez ça, zombie là. Regarde, mais putain de merde, qui vivra verra. Un homme comme toi devrait se cacher sur terre. Les hommes qui se font nourrir là, ils se cachent sur terre. Ok, je pense que tu as compris la leçon, hein. Tu as compris la leçon. Les Indiens, il a compris la leçon. Il a compris la leçon. Le bâtard a compris la leçon. L'animal a compris la leçon. Le crapaud a compris la leçon. Poisson sec là a compris la leçon. Canne à sucre séché là a compris la leçon. Toi. Regarde-moi droit dans les yeux. Si jamais tu ouvres ton WC public là, parler encore de Burkinabé, tu vas te réveiller le matin, trouver que ton truc là a disparu. Parle encore de Burkinabé, tu vas voir. Je vais me charger personnellement de toi.
Personnellement, je me fiche éperdument de ta misérable personne. Personnellement, je me fiche éperdument de tout ce qui pourra sortir de ton WC. Personnellement, je serai là pour te répondre. Tu n'as rien, tu n'es rien. Tu n'es qu'un gigolo. Un gigolo. Un gigolo qui survit dans les jambes d'une femme. C'est ce que tu es. Et puis je vais te dire, hein, faut prier Dieu pour ne jamais qu'on se croise dans un avion. Parce que si un jour, toi et moi, on prend avion dans un même aéroport, tu vas savoir, je vais t'attraper comme ça et puis je vais te frapper. Je vais te frapper, te frapper, te frapper, je vais te frapper. Il a dit, hein, je vais te cogner, je vais te frapper. Je vais te frapper dans l'aéroport là. Comme ça, tu sauras qu'il y a des gens plus bêtes que toi. Je vais te cogner grave. Je vais te frapper, te frapper, te frapper dans l'aéroport. Je vais te frapper et puis je vais déchirer tes habits. Et puis je vais attraper ta pile là. Et puis je vais courir avec ça dans l'aéroport là comme ça. Je vais courir. Je vais courir. Tu vas chanter l'hymne national du Burkina. Avant que je te laisse. Magnédra. Prie Dieu pour ne pas qu'on se croise dans le même aéroport. Parce que si ça arrive, de toute façon, je vais te frapper. Même si c'est dans l'avion, je vais te frapper. C'est à l'aéroport, je vais te frapper. C'est à la salle d'attente, je vais te frapper. Quel que soit où je te croise, je vais te frapper. Quand j'ai fumé quoi? Quand tu regardes la beauté de mes lèvres là, est-ce que ça ressemble à ma bouche qui boit alcool ou qui fume? Non, je ne connais pas ça. Je ne fume pas ni la cigarette. D'ailleurs, je suis asthmatique et beaucoup le savent. Et j'ai aussi un problème de cœur et beaucoup le savent. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne touche pas à l'alcool. C'est pourquoi vous voyez que ma vie n'est pas mêlée comme ça aux fréquentations des bars et maquis. Je ne touche pas à l'alcool. Tout ce que je fais est volontaire. Jonathan Morrison, ah, le jour que moi et toi on se croise dans un avion ou dans un aéroport, tu ne vas pas me reconnaître parce que femme change comme caméléon. Mais moi je vais te reconnaître parce qu'un gigolo ne change pas. Un gigolo ne change pas. Un gigolo est toujours même chose. Un gigolo ne change pas. Donc, je vais vite te reconnaître et je vais aller tomber sur toi et je vais te frapper. Tu aimes Buzz, non? Tu aimes Buzz? Tu auras Buzz ce jour-là. Non, ne vous inquiétez pas pour moi. Si tu ne sais pas là, hein? J'ai fait le karaté et j'ai ceinture noire. Faut pas t'amuser avec moi. Si je t'attrape, je vais te frapper mal. Magnéda. Moi, je ne parle pas seulement. Hein. Faut grouiller pour ne jamais qu'on se croise dans un avion. Parce que si on se croise là, tu es foutu. Les Indiens, je pense que l'animal a compris la leçon. Et comment on appelle ça?
Je ne vais pas le casser en deux. Je vais le broyer. Je vais le broyer. Je vais l'écraser. Je vais l'écraser comme on écrase à cuit. Je vais l'écraser comme on écrase aubergine. Inyeji. Ibeura inaure. Burkinabé est fier de l'être. Sache que s'il faut sacrifier mon amitié avec je ne sais qui, au détriment de mon peuple, au détriment des couleurs de mon pays, qu'il en soit ainsi et sans aucun regret. Burkinbil kun lobra bayir ne kugurye. J'ai fini. Je vais aller m'endormir. Petit imbécile qui est venu faire du bruit ici, parti là. Moi, je ne me mêle pas. En fait, si vous avez remarqué, moi, je ne me mêle pas comme ça des trucs sur la toile. Hein. Je ne me mêle pas comme ça des trucs sur la toile. Vous avez remarqué ça? Moi, tant que tu ne m'as pas provoqué là, je ne réagis pas. Si tu me provoques aussi, puis je garde le silence là, sache qu'un matin, je vais réagir. Et quand je vais commencer là, tant que je ne suis pas satisfaite, je n'arrête pas. Mais moi, je ne provoque pas. Et je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas. Mais ici, là, on parle de Burkinabé. Et je suis Burkinabé. Et fière de l'être. Et prêt à sacrifier toute amitié. Toute amitié. Au détriment des couleurs de mon pays. Et je m'en fous. Je suis là, hein. J'attends. Beaucoup savent que j'ai dosé. Ouais, j'ai dosé parce que juste après ma publication, Jonathan Morisson a fait un post sur sa page pour demander pardon au Burkinabé. Donc j'ai dosé à cause de ça. Sinon, on se connaît, non? Mes amours, je vous aime. Merci d'être là. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct. Voilà. Malheureusement, le direct d'aujourd'hui n'est pas comme les autres directs qu'on a l'habitude de faire. Mais ce n'est pas grave. Il le fallait. Il le fallait. Voilà. Oh non, mon téléphone, les mégas ne peuvent jamais finir dans mon téléphone. Je pense que ce fils de pute a compris la leçon. Ce bâtard a compris la leçon. Cet animal a compris la leçon. Ce chien a compris la leçon. Ce chimpanzé là a compris la leçon. Ce zombie là, il a compris la leçon. S'il n'a pas compris aussi, je suis là. Il n'a qu'à réagir. Je vais réagir. C'est celui qui n'est pas connu qui cherche buzz. Quelqu'un comme moi ne cherche plus buzz. Il fait le buzz. Mais ça là, ça n'a rien à voir avec buzz. Non. Moi, je ne force pas le buzz. Et vous, vous le saviez. Je ne force pas le buzz. Parce que j'ai le buzz en moi.
Je force pas le buzz. Je ne recherche pas le buzz. Non. C'est celui qui n'est pas célèbre qui recherche le buzz pour avoir de la visibilité sur sa personne. Moi, je suis déjà célèbre. Donc, ça n'a rien à voir avec le buzz. Vous savez très bien qu'il était temps que quelqu'un réponde à ces animaux-là. Je vous aime de tout mon cœur. Les Indiens et les Indiennes du Burkina et d'ailleurs. Voilà. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci, merci infiniment. OK. Ben, il y a mon chéri qui est en train de me dire d'aller me coucher. Je vois ses messages venir en WhatsApp. Donc, je vais vous laisser. Je vous aime. Je vous aime. Je vous adore. Je vous aime. Je vous adore. Bisous, 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 bisous. Bonne nuit.